Personne de bon, nous voulons prier Jésus. Please stand up. We want to pray Jesus. Je ne sais pas quelle malédiction tes ennemis ont réussi à introduire dans ta famille ou dans ta vie. I don't know what curse your enemy has deposited in your family or your life. Mais je puis t'assurer d'une chose aujourd'hui. But I can assure you one thing today. Dieu retourne les malédictions sur eux-mêmes. God brings our curses upon them. Je ne sais pas quels sont les plans que tes ennemis sont en train de mijoter, de préconiser contre ta personne. Mais je sais une chose, la Bible dit celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui creuse la muraille sera mordu par un serpent. Quiconque veut creuser la muraille de ta bénédiction sera mordu par un serpent. Amen. Lève ta main droite. Dis mon Père et mon Jésus. C'est mon Père et mon Jésus. Toute personne, personne qui a creusé une tombe, pour que j'y sois enterré, qu'elle soit enterrée dans son propre tombeau. Au nom puissant de Jésus, ouvre la bouche et vomis la prière maintenant. Bien aimé, c'est le moment de prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Toute fosse, tout tombeau que tes ennemis ont creusé pour t'enterrer. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimés, ils vont être enterrés dans leur propre tombeau. Bien-aimés, ouvre ta bouche. Frère, ouvre ta bouche. Sœur, ouvre ta bouche. Prie maintenant avec autorité. Prie maintenant avec autorité. Le Dieu de tes parents est là présent. Il veut manifester sa puissance dans ta vie contre tes ennemis. Bien-aimés, ouvre ta bouche, prie. Je veux t'entendre prier ce matin. Prie ce matin, que tes ennemis soient enterrés dans leur propre fosse, que tes ennemis soient enterrés dans leur propre tombeau. Toute fosse que tes ennemis ont creusée, tu ne t'y retrouveras pas. Ce sera tes ennemis qui seront à l'intérieur. Je veux t'entendre prier ce matin. Mets-toi dans une sainte colère. Commence à invoquer le Dieu du ciel. Commence à invoquer le Seigneur de toute la terre. Prie. Tu n'es pas venu regarder ton voisin. Tu n'es pas venu regarder ta voisine. Tu es venu ce matin à ce programme afin que quelque chose change dans ta vie. Je veux t'entendre prier. Yahvé, tu es souverain, souverain dans tes voies. Seigneur, tout plan de l'ennemi contre ma vie, toute force creusée pour moi et ma famille. Père, que le propriétaire soit enterré selon ta parole. Benora Distaman Shama. Je veux t'entendre prier. Mais ce matin, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Ce matin, Dieu veut changer les choses dans ta vie. Ceux qui ont déclaré que tu vas mourir. Ils vont mourir, tu vas vivre. Ceux qui ont déclaré que tu ne seras rien. À l'exemple de Joseph, ils vont se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront qu'ils ont commis des erreurs. Bien aimé, je veux t'entendre prier. Les projets de tes ennemis, ce matin seront anéantis. Les plans de tes ennemis, ce matin seront annulés. Je veux t'entendre prier. Si les choses ne changent pas dans ta vie, tu as le pouvoir, la capacité de les changer. Prie, bien aimé, ouvre ta bouche. Ne reste pas mien. Ne regarde pas les autres prier. Tu as le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Tu as le pouvoir d'ouvrir la porte fermée de ta vie. Ce matin, c'est ta matinée. C'est ce moment que Dieu te donne afin que tout ennemi de ta vie soit maintenant ton marche-pied. Bien aimé, ce matin, régis comme le lionceau de la tribu de Juda. Parle à l'Éternel, parle à Jésus. Il a le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre régir. Je veux t'entendre invoquer le Dieu de toute la terre. Prie, bien aimé, prie. Prie ce matin. Tu n'as
venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu regarder les autres agir dans leur vie. Tu n'es pas venu comme spectateur. Il n'y a pas de spectateur ce matin, ce lieu. Je veux te voir prier. Régis maintenant dans une sainte colère. Dis à Dieu, trop c'est trop, assez c'est assez. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Je veux t'entendre prier. Prie bien aimé. Prie ce matin, prie ce matin. Commence à annuler la prophétie de tes ennemis. Toute prophétie de nos ennemis. Seigneur, nous la retournons contre eux. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Toute prophétie, toute déclaration de la bouche de nos ennemis, nous la retournons contre eux. Toute prédiction de nos ennemis contre nos vies, nous la retournons. Dis pas, toute prophétie de l'ennemi, je la retourne sur lui. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prophétise contre la prophétie de nos ennemis. Je veux t'entendre prier, quel que soit ce qui a été déclaré contre toi, ce matin, par ta prière, tu l'annules, tu le révoques, les prophéties de tes ennemis, les déclarations de tes ennemis, les prédictions de tes ennemis, ce matin, doit tomber dans les oubliettes. L'Éternel veut pas te venger de tes ennemis. Ce matin, annule maintenant le décret contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre tes projets. Prie maintenant l'Éternel de toute la terre. Prie maintenant. Quelles que soient les incantations, quelles que soient ce qu'ils ont déclaré contre toi, tu as le pouvoir par ta prière de le rendre nul et sans effet. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu peux maintenant les armes de tes ennemis, leur bouche, leurs paroles, leurs malédictions, leurs prophéties sataniques sont révoquées ce matin. Il suffit pour toi de lever ta voix, il suffit pour toi de parler ce matin, de dire à l'Éternel, tout ce qu'ils ont déclaré contre toi ne peut pas agir, ne peut pas se manifester. Prie ce matin, commence à annuler, commence à révoquer, commence à détruire, commence à briser leurs paroles, leurs malédictions, ce qu'ils ont déclaré contre tes enfants, ce qu'ils ont déclaré contre ta famille, ce qu'ils ont déclaré contre toi-même. Ce matin, l'Éternel, le Dieu des armées, veut maintenant changer ces choses. Oh Dieu, veut changer le mal en bien dans ta vie, changer les malédictions en bénédictions dans ta vie. Quelque chose doit se passer ce matin. Ouvre ta bouche, le Dieu de parole de ta famille. Alléluia, tout le ce matin, bien-aimé, le malheur,
bonne malédiction, quel que soit ce que tes ennemis ont planifié, ce qu'ils ont projeté, programmé contre toi, cela ne t'atteindra pas. Dieu veut que tu ouvres ta bouche ce matin, parce qu'il dit dans sa parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu remplit ta bouche ce matin de cette parole. Pré. Il a dit à Jérémie, je verse sur ma parole pour l'exécuter. Ce matin, Dieu verse sur toute parole qui sort de ta bouche pour l'exécuter contre tes ennemis. Pré. Quel que soit ce qu'ils ont planifié, quel que soit le problème maléfique, leur malédiction, ce qu'ils ont proclamé, programmé contre toi, rien ne t'arrivera. Parce que le Dieu de tes parents, l'Éternel est vivant, et il est là ce matin, il est au milieu de nous ce matin, nous l'avons invoqué, et il nous a répondu. Il veut faire quelque chose dans ta vie, changer le mal en bien, rendre l'impossible possible dans ta vie. Ils ont dit que tu ne seras rien, ils ont dit que tu ne feras rien, ils ont dit que tu seras la queue, mais l'Éternel dit que tu seras la tête. Je veux t'entendre prier ce matin, je veux t'entendre invoquer le Dieu, le Seigneur de toute la terre. Pré. Tu n'es pas venu regarder les autres, tu n'es pas venu là comme spectateur ce matin. Et il n'y a pas de spectateur en ce moment. Tu es le propre acteur de ta destinée, toi-même par ta prière, toi-même par ta bouche. Tu dois changer les choses, changer les choses ce matin. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. La Bible déclare que Jésus a prié, la science est transformée en vivant le sang. Prie ce matin jusqu'à ce que tes versets sanguins se éclatent. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie ce matin. Bien-aimé, prie, invoque l'Éternel, invoque Jésus. Il est là, il est là, il est mis le nom. Il répond à tes prières. Ma souris, délivre-nous de nos ennemis, ô Père. Délivre-nous de nos ennemis. Débarrasse-nous de leurs pierres. J'aimerais wa inharos mantra. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says, après avoir prié, after I prayed, Marie-Madeleine a brisé le vase. Mary has pricked the vase. D'albâtre contenant le parfum de nard de grand prix. Albert contenait le parfum.